Après être apparu aux saintes femmes, notre Seigneur ressuscité va se manifester à ses apôtres. L'Écriture nous dit qu'il est d'abord apparu à Pierre. On n'a aucun autre témoignage sur cette apparition. Il est d'abord apparu à Pierre parce que Saint Pierre est le premier et le chef de tous les apôtres. Mais ensuite, il va apparaître aux disciples d'Emmaüs. Ces deux disciples qui vont quitter Jérusalem, ils sont à Jérusalem avec les apôtres, parce que les apôtres qui sont enfermés dans le Cénacle sont certainement aussi en compagnie d'autres disciples. Et ces deux disciples donc d'Emmaüs vont quitter Jérusalem et retourner à Emmaüs, enfin du côté d'Emmaüs. Alors Emmaüs, c'est au nord-ouest de Jérusalem, à quelques distances, une petite journée une demi-journée de marche, disons. Et ils repartent en direction d'Emmaüs, tristes. Et quand on relit le récit des évangiles, on voit bien que leur cœur est lourd. Il y a des adjectifs qui manifestent que leurs yeux sont fermés. Et notre Seigneur va leur apparaître, hein, on le sait, et leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils sont tristes, ils ne comprennent pas. Ils ont connu notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont vu les miracles de Jésus, ils ont été subjugués parce que Jésus est Dieu, et donc ils ont cru vraiment notre Seigneur. Et voilà que depuis 3 jours, notre Seigneur est mort. Oh, il y a bien eu ce témoignage des femmes, mais c'est un témoignage de bonnes femmes. On n'y prête pas attention. Alors ils sont éplorés. Et ils partent vers Emmaüs. Notre Seigneur, tout miraculeusement et sans se faire reconnaître, les aborde et leur dit, ben, qu'est-ce que c'est que... De quoi vous parlez? Quels sont les propos que vous échangez entre vous en marchant? Et alors l'un d'eux s'arrête, il s'appelle Cléophas. Et il dit, quoi donc? Vous ne savez pas ce qui s'est passé? Ben, c'est Jésus de Nazareth. Il a été crucifié, il était puissant en œuvre et en parole. Nos grands prêtres l'ont crucifié, il est mort. Et pour nous, nous avions l'espoir, disent-ils, que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais voici le troisième jour que ces choses ont eu lieu. Et ils ajoutent cependant aussi, quelques femmes de notre groupe nous ont effrayés, parce que s'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas retrouvé son corps, elles sont même venues dire qu'elles avaient vu une apparition d'anges qui le disent en vie. Et quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau. Et ils ont bien trouvé les choses comme les femmes les avaient dites. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors, nous sommes tristes. Et notre Seigneur va leur dire, mais ô homme de peu de foi, et c'est vraiment le reproche qu'on peut leur faire, ô homme de peu de foi. Et à ce moment-là, Jésus va leur faire une très belle page d'explication d'Écriture sainte. Il va reprendre toutes les prophéties de l'Ancien Testament, tous les miracles et tous les symboles. Il va montrer que notre Seigneur lui-même les a accomplis. Il va montrer que celui en qui ils avaient mis leur espoir, à juste titre, a accompli les prophéties de l'Ancien Testament. Et notre Seigneur leur révèle donc tout ce qu'il y a de caché dans l'Écriture sainte. Ça ne nous est pas transmis dans l'Évangile. On aurait aimé assister à ce cours d'Écriture sainte de notre Seigneur qui devait être absolument magistral et dévoiler tout ce que nous avons parfois peine à voir dans l'Ancien Testament. Et puis voilà qu'ils approchent d'Emmaüs. Notre Seigneur fait mine de continuer son chemin. Et là, les deux disciples lui demandent de partager le repas. Notre Seigneur mange avec eux et puis il va ensuite fractionner le pain. Prenant le pain, il bénit Dieu et l'ayant rompu, il le leur donnait. À ce moment-là, à la fraction du pain, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Et lui disparut d'auprès d'eux. Dès qu'il s'est fait reconnaître, leur foi va à nouveau être une lumière vive dans leur âme. Notre Seigneur n'a plus besoin d'être là. Ils ont la lumière en eux, la foi, cela suffit. Notre Seigneur disparaît. Et eux, que disent-ils? Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait dans le chemin, tandis qu'il nous découvrait les Écritures? Et voilà comment notre Seigneur est apparu aux disciples d'Emmaüs. Ce qu'il y a d'admirable dans cette apparition, c'est que ses disciples sont tristes. Donc ils ont tout contre eux. Ce ne sont pas des écervelés, ce ne sont pas non plus des gens qui auraient perdu la raison et qui auraient inventé une histoire. Ça n'est pas possible. Cette tristesse est telle qu'ils sont plutôt dans le désespoir. Et le désespoir ne fait pas voir les choses agréablement, bien au contraire.
Donc ce témoignage, d'une certaine façon, est encore plus fort du fait de cette tristesse ardente, enfin ardente si l'on peut dire, de ces disciples d'Emmaüs. Bon, alors que font-ils? Aussitôt, ils retournent à Jérusalem et vont retrouver les 11 compagnons, les 11 apôtres, pour dire « ça y est, le Seigneur est vraiment ressuscité ». Et notre Seigneur va donc apparaître d'abord, ensuite, aux apôtres dans le cénacle. C'est le soir de la résurrection. Les apôtres sont là et au moment où ils vont partager leur repas, n'est-ce pas, au moment où ils vont manger, tout simplement, notre Seigneur rentre et l'Évangile précise bien les portes étant closes. Donc tout est fermé, preuve là encore de sa divinité. Et notre Seigneur rentre et leur dit « la paix soit avec vous ». Voilà la première parole que notre Seigneur prononce auprès de ses apôtres. Ils ont perdu la paix parce que leur foi n'est plus ardente. Et il leur dit « la paix soit avec vous ». Pax vobis. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Les apôtres ne posent pas de questions, ils le reconnaissent, c'est évident. Ils voient notre Seigneur et leur foi est prompte. Bon, puis notre Seigneur, leur montre qu'il est bien lui-même. Et que fait-il pour leur prouver que c'est lui? Il va montrer simplement ses plaies. Voilà pourquoi notre Seigneur ne voulait pas avoir la clarté propre au corps glorieux. Pour manifester à ses apôtres la réalité de ce corps ressuscité. C'est mon corps, regardez, il y a ma plaie sur le côté, il y a mes plaies dans les mains, mes plaies des pieds. Vous pouvez me toucher, vous pouvez me voir et je vais manger avec vous. Et notre Seigneur mange pour manifester que c'est un vrai corps, ce n'est pas une simple apparence. Et les apôtres ont pu le toucher. Alors on imagine la joie de ces apôtres. Voilà, et notre Seigneur repart et les laisse. Ah oui, il en manquait un. Ben oui, il manquait saint Thomas, qu'on appelle l'incrédule et à juste titre. Et ça encore, j'ai envie de dire, ça va dans le sens de... c'est un déshonneur, si l'on peut dire, pour les apôtres, mais qui vient manifester à plus forte raison que la résurrection est vraie. Les apôtres ne voulaient pas y croire à cette résurrection, parce que pour eux, tout était fini. Et là, on a encore le récit de saint Thomas, l'incrédule, qui vient nous manifester qu'il y a une opposition chez les apôtres à la résurrection. C'est pas une histoire qu'ils inventent, bon, maintenant qu'on l'a mis au tombeau, qu'est-ce qu'on pourrait bien écrire comme histoire? Non, ils n'y croient pas à cette résurrection au début. Ils ne croient pas au récit des femmes, les disciples d'Emmaüs sont tout tristes, les 11 apôtres pensent à manger, mais pour eux tout est fini. Et alors saint Thomas, qui n'était pas là, on lui dit, les apôtres vont lui dire, ça y est, on a vu le maître, il est ressuscité. Et saint Thomas dit, non, ce n'est pas possible. Non, tant que je n'aurai pas mis mon doigt dans ses plaies et ma main dans son côté, je ne croirai pas. Alors voyez, cette incrédulité, foncière, des apôtres, va dans le sens d'une manifestation encore plus éclatante de la résurrection de notre Seigneur. C'est pas une histoire inventée, ça va contre eux presque la résurrection. Et donc pour nous c'est un témoignage encore plus fort. Et alors une semaine après, eh bien, notre Seigneur va apparaître. Cette fois saint Thomas est là. Donc il apparaît et comme la première fois, il leur dit « la paix soit avec vous ». Pax vobis. Et puis, c'est saint Marc qui nous rapporte cela, et il leur reprocha leur incrédulité, leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter des morts. Donc voilà, pour les apôtres, vous m'excuserez, ça n'est pas glorieux. Hein. Mais bon, c'est bien la preuve aussi qu'ils n'inventent pas une histoire. Ils font tout à rebours d'une histoire qu'ils pourraient avoir inventée. Et on verra, ce n'est pas possible qu'ils l'aient inventée. Bon, alors notre Seigneur apparaît, et puis la paix soit avec vous. Alors là, saint Thomas qui voit notre Seigneur a dû dire oui, bon d'accord, je crois. Et alors, on imagine bien qu'il a dû se cacher. Hein. Les apôtres, les 11, eux savaient, ils croyaient, ça y est, en la résurrection, ils l'avaient vu une semaine plus tôt. Saint Thomas, bon, alors les apôtres l'ont tous regardé, il dit, chut, saint Thomas a dû se dire, ne me faites pas remarquer. Je crois là, voilà. Mais malheureusement, notre Seigneur qui lit dans les cœurs a dû au loin croiser son regard. Peut-être saint Thomas s'est dit, pourvu qu'ils disent rien, pourvu qu'ils disent rien. Et notre Seigneur a dit quelque chose, il dit, tiens Thomas, viens approche. Pauvre vieux, n'est-ce pas? Saint Thomas a dû approcher et notre Seigneur lui a dit, preuve encore qu'il est Dieu et qu'il lit dans les cœurs, n'est-ce pas? Et qu'il sait toutes nos pensées. Saint Thomas, enfin Thomas, viens là. Donne ton doigt, voici mes mains. Donne ta main, mets-la dans mon côté. Si c'est pas clair ça. Alors saint Thomas qui avait dit, si je ne mets ma main, mon doigt dans ses plaies et ma main dans son côté, je ne croirais pas. Là saint Thomas n'a même pas eu besoin de mettre sa main dans les plaies de notre Seigneur. Il tombe à genoux et il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Un acte de foi. Mon Seigneur et mon Dieu.
Et notre Seigneur ajoute, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voilà le fruit de ce mystère de la résurrection de notre Seigneur. Mais voyez, c'est intéressant de comprendre combien finalement la résurrection va à rebours de tout ce que les apôtres pouvaient penser, et donc l'historicité de la résurrection n'en est que plus éclatante, et pour nous, notre foi n'en est que mieux fondée.